There are mythical places filled with ancient adventures, legends, and fairy tales. There are lands where the mist never goes away, hiding in the hills where Corrigans dance until dawn. It's in this magical place where I live. As my father did, and his father before him. By the shore of the loch, where I find peaceful moments fishing, I also remember, with a bit of melancholy, those stories my father used to so eloquently spin when I was a wee child. These are the same stories that became lore as each generation of my family passed them from father to son through the passage of time. Richly detailed tales of noble knights and the fine ladies they loved, of slain dragons and magical forest creatures. The sort of tales that keep you longing for more and wishing to be part of the adventure. Yet I also remember one special morning, what looked like an average misty morning, where, unbeknownst to me, my life was about to change forever. Spend a lot of time looking for Nessie. There's been expeditions to hunt for it with mini submarines. There's people who look at the lock all day long trying to see if it breaks the surface. There's been a lot of hoaxes as well. People who've made models for Nessie, you know, people who've pretended there's a monster there. It's not impossible. Who knows? It might be Yeti. Does it exist? Attention Erwan, je crois. Nessie? Yeah. Who's she? Who's she? Is that a girl? Is that a girl you've met? Yeah, I guess Scotland has a lot to offer for the tourists. Got a diversity of scenery, and of course there's the famous Loch Ness Monster, some sort of prehistoric dinosaur, for want of a better word. It could be some creature that got trapped in one of these locks. So who knows, Nessie might exist. Martial, en train d'ouvrir une longueur, jamais grimpé. Enfin, par quelques fois. C'est vrai que l'Écosse, ça reste le Ben Nevis, qu'en général, ça reste dans l'histoire de l'alpinisme un endroit incontournable. C'est le temple un peu de l'escalade mixte, quoi. Teste-le, là, qu'on rigole. Hein? Teste-le, qu'on rigole. Ouais, attends,
un excentrique. Tu t'emmerdes ? De toi. En Écosse, une éthique assez poussée, à savoir qu'il n'y a pas de spit déjà, donc c'est une escalade entièrement sur coinceur. Donc c'est vraiment c'est la montagne vierge, et tu grimpes ta ligne en te protégeant naturellement. C'est de l'escalade mixte avec de la glace qui est plâtrée, c'est quelque chose de très pur, qui est très, très propre. J'espère qu'elle est étanche la caméra. Ah Martial ? Bien, ouais. J'ai vu que vous avez mis quelques friennes dans ces fissures gelées. Oui. En êtes-vous content ? Super content. Il faut pas les mettre dans les fissures qui sont trop gelées. Si vous mettez les friennes dans des fissures trop gelées, il se peut qu'ils ne tiennent pas. Alors l'arme absolue, ce sont les câblés et bien sûr les excentriques. Ok Mimouz. Martial Dumas ? Oui. Ouais. Alors êtes-vous fier de votre relais ? Monstre fier. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un comme ça. J'en avais jamais fait un comme ça. Pour dire. Voilà. Magnifique, hein. Donc là, nous avons ce qu'on appelle un excentrique, hein. Et là, ce qu'on appelle un autre. La classe, hein. You know better. Just like every good salesman knows that. Comme vous voulez. This is a dream. Martial, t'es proche de la chute. Ouais, Martial, là, c'est la reculée, là. Ouais, normalement, là, il va tomber, là. Maintenant. N'empêche, tu vois, regarde, là, c'est là plutôt là où il est, Martial. Si les mottes, elles avaient pas été gelées, hein, Martial, leur état. Easy. Easy, fils. Regarde, il est où, le relais ? Ils sont où, les spits, là, dans la belle dalle, là ? Where the bolt for the billet ? Why there is no bolt ? Eh? Why there is no bolt in Ben Nevis? You don't need a man. Here we go. It's just the British ethics. We hang on to it very, very dearly, just to keep the mountains clear of the bolts. And so a lot of the climbs are easy. You know, you can protect them with natural gear. So why put bolts in? You know, just to bring the mountain down to your level. It's always a good challenge. Ooh. C'est un pays où il y a beaucoup d'eau. Les montagnes qu'on a en Écosse, elles sont en proximité de la mer, donc elles subissent directement les dépressions très humides. C'est des conditions qui sont assez difficiles, même si les montagnes ne sont pas très hautes et si les voies ne sont pas très hautes, l'escalade est exigeante par les conditions météo, par le fait qu'on doit se protéger sur coinceur, avec des fissures qui sont remplies de glace, donc les endroits pour placer les protections ne sont pas évidents à trouver. Donc c'est une escalade qui est quand même complète et exigeante. Demonstrate this point. This is Ernie Allen. Absolutely.
a well-developed spot. And this is true. Yeah, unfortunately, the weather forecast wasn't right. The forecast was to be freezing at 800 metres today and some snow showers. Everything's looking a little what we call black. Yeah, we need, for the Scottish conditions, it needs to have that bit of snow on it. So I think today, just to get you out and about, yeah, show you some views, I think we'll go to the sea and do some bouldering. Cool. Yeah. À peu près 2 mm de pluie à l'heure. On espère que les 100 km/h de vent qui doivent souffler en bord de mer permettront de sécher les blocs assez vite, au cas où la pluie cesse plus d'une heure. For me, in climbing, it's always you have a project, and as soon you reach it, you have done it, it goes on. So the last thing I have done is this three north faces very fast. This is still quite present in my head, but I have done also other things in my past. So speed climbing like this, for me, it's over, because it's very dangerous, but I learned a lot and it was my challenge, but now I can go further with these skills I learned on this speed climbing. I can go fast on unknown terrain, and now I can go the next step. I can go to Himalaya and try some routes really fast, and that's what I'm looking for. On a essayé d'occuper les journées un peu quand même en essayant de, disons, de grimper quoi, parce que bon, quand même se fatiguer un peu les bras. Donc on est allé faire du bloc au bord de la mer, là c'était super sympa. Top, top. C'est top. C'est top. On est allé dans une cave là, faire du dry tooling, une espèce de plafond où ils ont toléré de mettre quelques spits pour s'assurer. Là, ta tête à gauche. Le mieux c'est que tu redescends sur le trou d'avant et que tu fasses des trucs sur le trou là. On le gorille dans la brume. Tu vas voler à dégâts suivants. Allez, sur ta tête à gauche. C'est énorme. Oh, attends, faut que tu retournes, là, il y a la bonne lumière là. Et puis on est allé dans un frigidaire, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de frigo géant avec de la glace. Ha ha ha!
Hier on a fait de la cave, aujourd'hui on fait du frigo, demain on va faire du grenier. Et mort. 24 years on a course I'm about. Don't give a d- in case some of y'all might consider me as being too soft. I'ma tell you like it is. Your life ain't hard, it's ain't New York. You ain't ghetto. You ain't hustling, squeezing in the meadows. The closest you come. And then hopefully tomorrow the weather's going to return to a proper Scottish winter, and I'm going to get the last 4 or 5 days of proper gnarl. Hopefully, fingers crossed. Climbing in Scotland is pretty unique. Well, you've got classic gullies here, couloirs, you've got lots of mixed climbing, often you've got very bad weather, so it's pretty hard climbing. It's cold, it's often windy. Bienvenue sur Petzl TV, la TV des sports extrêmes. Nous sommes road trip au Mexique, comme vous voulez le voir. Il y a pas mal de swell aujourd'hui, on voit un peu l'écume là. On est au line-up. Vous me dites s'il y a un gros truc qui tombe? Ouais. Je voulais voir que t'essuies la caméra. Mais j'en avais déjà. Alors qu'est-ce que vous allez faire là, Martial? On va aller faire le dièdre de la mort. Je transe là. T'as le problème, c'est que je peux même pas aller mettre des points quoi. Et surtout quand t'as de la neige comme ça là, c'est que non, tu pourrais mettre des freins tout long. Ah mais là, c'est pour les freins, ça serait parfait. Bah c'est toi qui vois. Je te dis, moi d'où je suis, je peux t'envoyer un brin de corde. Et après, tu peux te mettre sur la corde, récupérer tes points. Et on peut redescendre en rappel sur mon bloc. Après, si tu veux continuer, bah... Sinon après, faut sortir au sommet. Mais il a coincé sa pioche, il en a cassé une autre. Eh, il n'a qu'à faire rappel sur ton ami. Je crois qu'il y a un piolet à demeure maintenant dans la longueur. Mais là, elle est coincée, mais coincée, tu es coincée. Ah, faut dévisser. Voilà. Ça y est, tu l'as vu? Ouais. Joli. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là en fait. Hein. Parce que là, la suite là. Est-ce que tu veux revenir vers nous que je t'envoie un brin de corde, fils? Ouais, je vais faire ça. Alors attends. Ok. On the ledge of... Bah, tu vois, on peut pareil. Ça c'est fait. C'est un peu la réponse dans ce diède là. Là tu t'es mouillé par dedans parce que dans les longueurs tu transpires, t'es mouillé par dehors parce que ça tombe sur la gueule toute la journée. Et... C'est cool hein, c'est vraiment cool. Ah ben voilà, tiens, tu vois. Du coup voilà, là c'est un bel échec. Mais on a des belles images, hein. On tient le scoop là. Amazing. So much snow, it's lovely. It's so much nicer than rain. Yeah? This is like sort of a dry rain, we call it. What, Nessie? Yeah. After a few whiskies, definitely. You see, yeah. Nessie. Oh, I. It's a dream. As I was trying to say, ces dernières années, avec les progrès qui ont été faits en matière de mix, on
notamment sur les piolets, les crampons, la pratique du dry tooling, c'est vrai que le niveau a tendance à augmenter et finalement ils s'aperçoivent qu'ici bah, y a un nouveau terrain de jeu qui est en train de s'offrir à eux parce que des lignes qu'ils n'avaient pas regardées jusqu'à maintenant et même encore aujourd'hui ils arrivent à ouvrir des trucs justement grâce à ce niveau technique qui est en train de pousser vers le haut dans cette évolution du mixte moderne quoi. Où finalement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est là et que bah, la pratique finalement, on voit qu'elle peut évoluer encore et qu'il y a encore du potentiel quoi. Et en face de nous là, il y a Ouli et Ayash là qui sont en train d'essayer The Secret. C'est une voix de Andy là, notre copain qui est avec nous là, qui a ouvert ça je crois l'année dernière et puis qui a pas été encore trop répété je crois. D'ici c'est impressionnant ouais. Belle fissure, bien raide, puis bon l'endroit un peu austère quoi. Nickel quoi, tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. It was a line that had never even been climbed in summer before. You know, you don't know where you're going. You know, you don't know what's gonna come ahead. For sure it's only a short climb compared to what you guys have climbed abroad. But it's it meant a lot to me and it's a good line. So hopefully you guys have discovered that as well. Le grimpe, c'est pas très dur, c'est glissant, mais le problème c'est la protection. Il y a toujours un petit peu de glace dans les fissures. Aussi les stoppers, ça glisse, il doit faire vraiment gaffe. Que tu prends une chute et ça tient pas, c'est pas bon. Hein. Mais c'est pas tombé. Vas-y, cool, là, si tu dois tomber, faut pas, là. Faut te mettre au snurf, Yuli, hein, sert à rien. It's very impressive. It was good to get such a world-class climber coming over to Scotland and repeating some of these routes. Yeah, it's made me think a lot now. You know, it's the way he went up it so fast. You know, I don't think he found it that difficult, but it was more the placing the protection on the way up. I think he probably climbed it in 30 minutes or less and put three pieces of gear in the whole route. Where are you here? Ah, the secret. And here is how legends are made. Knights wear different armor today. They have lighter swords in hand, yet still so effective. Their quest has certainly changed, but remains noble. They are no longer assaulting fortresses, but insurmountable walls. They aren't slaying dragons, but facing something much more intimidating, their own fears. Crunchy crackle, pulsating electrical static.
shooting straight from the hip. Et voilà. Le mot de la fin, il est pour qui le mot de la fin? L'Écosse, hein? Il fait toujours beau. Qui c'est qui a dit qu'il faisait pas beau en Écosse? Hein? Grand beau, belle neige, la belle escalade. C'est là qu'on reconnaît les comiques.